Quel putain, c'est le Speak, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 23. Donc c'est parti pour le mois de septembre, pour ce mois de septembre dans la carrière de FIFA 23. Donc on va commencer par un très très gros match qui est le derby Orléans-Laval. Quand j'avais créé mon club, j'avais pris Laval comme derby. Donc on commence par un très gros match au mois de septembre. La semaine qui suit, Bastia qu'on va simuler, on va faire simulation rapide. Après, nous avons Annecy qu'on va jouer, par contre eux on va jouer. Et Cuvier-Rouen qu'on va faire le temps fort. On va tester le temps fort dans cette vidéo. Et je l'avais dit dans la dernière vidéo qu'on allait tester. Et comme vous êtes dans le titre et dans la miniature, les gars, une nouvelle recrue est arrivée à l'US Orléans, qui est Goebbels, homme de provenance de Monaco, qui a acheté 4 millions d'euros, qui va remplacer Kevin Fortuné, qui va être sur le banc de touche désormais. C'est pas qu'il était moins fort ou qu'il était nul, c'est moins fort si, mais bon, moins fort parce qu'il a 32 ans, il est âgé, il a 69, alors que regardez les stats de Goebbels, déjà c'est beaucoup mieux que Kevin Fortuné, et c'est surtout qu'il est jeune, Goebbels. C'est qu'il est jeune, il a 21 ans, donc il va progresser, alors que là où il est, Kevin Fortuné va pas progresser, donc voilà pourquoi j'ai changé. Faudrait que je change Vincent Viaud aussi, qui a 26 ans, qui a pas beaucoup prendre, qui a pas beaucoup progressé, alors que il y a le gardien sur le banc de touche qui a 20 ans, qui va plus progresser, mais bon, bref, c'est pas le sujet pour l'instant. Le sujet pour l'instant, c'est de commencer par le petit derby Orléans Laval. Donc c'est parti, on se retrouve direct pour le lancement du match. Et c'est parti pour ce match tant attendu pour les supporters des deux équipes, pour ce derby qui va se jouer à domicile pour les Orléanais. L'entrée des joueurs sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer pendant ce match? Il va avoir beaucoup d'émotions, je pense. La tristesse, de la joie ou de l'énervement sur le terrain. On va voir ça dans un instant. Et c'est parti pour le coup d'envoi de ce match. Ah, le gardien. Attention, Goebbels avec Dabas. Dabas qui a vu qu'il y avait de l'espace pour frapper, la parade de Sauvage. Magnifique arrêt. Ça sort en corner pour les Orléanais. Mogdad qui a tiré ce coup franc pour Goujon. Non, c'est mal tiré. Ndié qui la capte. Ndié qui va jouer avec Mambo. Stone Mambo peut-être pour tirer dans cette contrée. Et ça va être la mi-temps au score de 0 à 0 dans ce derby. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps entre Orléans et le Stade Lavallois, 0 à 0. Ah, frappe! Ouh lolo, j'étais pas concentré du tout, ça sort en 6 mètres. Ouh là là, c'est très dur là pour les Orléanais, ça commence à être dur. Il va falloir dégager ce ballon, bien joué, avec Fortuné. Ah, Fortuné, la mauvaise passe. Dernière action pour Laval, Stade Lavallois, dernière action, attention peut-être. Ça peut être dangereux, faut qu'ils aillent chercher les 3 points, Laval. Orléans, faut qu'ils arrivent bien à défendre pour aller chercher le nul. Attention, et oui, c'est bien défendu. Non, ça revient, peut-être. Et non, il y a faute, il revient à la faute, l'arbitre. C'est bien joué. Et c'est, ça va être fini, et c'est fini au score de 0 à 0 entre l'US Orléans et le Stade Lavallois. Bon, bah les gars, ce match c'était vraiment pas fameux, hein, vraiment, il était pas fou 0-0, de toute façon, vous, je pense pas qu'au montage je vais vous faire montrer beaucoup d'actions, parce que vu comment il était pas fameux du tout ce match, en première mi-temps, j'avais pratiquement rien fait, il y avait pratiquement pas d'action et tout, mais bon. Allez, on part pour le prochain match, Bastia. On a dit qu'on simulait, donc on va simuler en rapide. Allez, il faut gagner là, parce qu'on a fait un nul contre Laval. On est combien en classement du coup? Toujours premier. Ok, Saint-Etienne a un point derrière nous. Faut gagner, on simule rapide. Allez, c'est parti. Attention. Qu'est-ce qu'il va avoir? 1-1. Ok. 1-1, on perd 1-0, on revient, match nul. Ok, bon, bah, là, ça va faire mal au classement. On va redescendre. On va perdre des places. Hein. Attention, combien de tièmes?
Deuxième, à Saint-Etienne qui sont un point devant nous. Derrière nous, il y a Metz qui sont à 2 points et Sochaux. Ok, va falloir faire attention. Va falloir faire très attention. Qu'est-ce qu'il nous dit? Coach, j'ai mon mot à dire. J'ai horreur d'être remplacé. Ah oui, parce que, ouais. Ok, le manager l'a fait sortir en plein milieu du match. Et du coup, là, le 24, on joue contre Annecy. Donc, c'est parti, ce match, on va le jouer. Et puis, voilà, c'est parti, jouer match. Contre Annecy, Annecy qui sont, j'ai même pas regardé, ils sont combattants, regardez vite fait, en vite fait, ils sont à 10 points, ouais, ils doivent être bas dans le classement, à 10 points, ils sont 14e, donc 14e, ils ont un match de retard, allez, faut aller chercher cette victoire-là, faut aller la chercher, personnaliser, on va juste mettre la notification quand ça, si Saint-Etienne joue, non, ok, j'allais mettre la notification pour voir si Saint-Etienne est gagné, s'il joue en même temps que nous, mais non, pas. Et c'est parti pour ce match entre l'US Orléans et le FC Annecy. On joue en pleine journée, en plein après-midi. Donc c'est parti pour ce match entre Orléans et Annecy pour les deux équipes. Et ça joue avec Mogdad 1. Attention, c'est parti pour le FC Annecy qui part, qui commence à déborder. Il n'y a personne. Ou attention, c'est dangereux. Non. Qu'est-ce qui se passe? Penalty. Oh, penalty. Oh là 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 là. Penalty. Albi Touré qui la touche de la main, les gars. J'ai ajouté les. Dans les paramètres, j'ai ajouté les mains. Avec penalty. Donc, il a touché de la main, Albi Touré. Du coup, il y a penalty. Ouh loulou. Pour que ça soit un peu plus réaliste, j'ai mis les mains. Attention. Attention. Saï face à Vincent Viaud. Attention, la frappe et c'est dedans. L'ouverture du score du FC Annecy dès la 25e minute. Ils viennent marquer, ils viennent transformer ce penalty. Saï qui vient le transformer. Magnifique. Buter les Orléanais qui sont déçus là à cause de la main d'Albi Touré. On revoit ce penalty bien transformé à contre-pied du gardien. Un peu en dessous de la lucarne. Et ça fait 1-0 pour le FC Annecy. Attention, Albi Touré. La passe pour Mogdad avec le Paul. Le Paul qui s'élance, la frappe magnifique. Et voilà, les Orléanais qui sont rentrés dans le match dans cette deuxième période. Le Paul qui vient marquer le but de l'égalisation du score. Et voilà les Orléanais qui sont pas restés dans les vestiaires, qui sont direct rentrés dans le match. Mais par contre, le FC Annecy, qu'ils étaient encore dans les vestiaires, ils n'étaient pas dedans. Magnifique passe en profondeur de Mogdad pour le Paul. Oh là là, magnifique, juste en dessous de la lucarne. Incroyable, ça fait 1-1 au score. Orléans-Annecy. Voilà, magnifique. Dabas avec Goebbels. Goebbels qui part. Allez, faut y aller. Faut y aller. Il part sur le côté gauche. La frappe et l'ouverture et le but. Pardon. Le deuxième but d'Orléans. Goebbels, la nouvelle recrue qui vient marquer sous ses premiers airs. Magnifique but. Sous ses premiers airs. Orléanais qui vient sauver Orléans sur le côté gauche. Magnifique dans un angle très fermé du pied gauche. Incroyable. Voilà, on revoit cet angle complètement fermé. Je sais pas ce qui lui est arrivé, le gardien. Et ils viennent mener au score alors qu'ils perdent 1-0. Oui, le GPI qui est content, l'entraîneur est content. Et ça fait 2-1 pour l'US Orléans. Allez, allez, ils sont dans une bonne période d'Orléans. Avec Goujon qui va faire avec le Paul. Avec Dabas. Dabas pour Goebbels. Goebbels qui a plus qu'un défenseur à passer, il passe la frappe et pour le doublé d'affilée. Oh, le doublé de Goebbels qui vient marquer pour son deuxième match avec l'US Orléans, la nouvelle recrue. Oh là là, magnifique. Oh, regardez-moi ça. Pam. Oh là là, incroyable. Le gardien qui a rien foutu encore. Je sais pas ce qui s'est passé pour le gardien. Pied droit cette fois. Et c'est magnifique. Et ça permet aux Orléanais de mener au score alors qu'ils perdent 1-0 à la mi-temps. Ils reviennent au score 2 buts d'affilée. Ils sont dans une très bonne période. Et oui, 3 buts même. 3 buts. Attention, encore une fois, Annecy qui font n'importe quoi. Attention, ça peut aller très très vite du côté d'Orléans. Le Paul avec Dabas. Dabas qui s'élance pour la frappe. C'est le 4-1. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 4-1 pour les Orléanais. 4 buts d'affilée. Oh là 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 là, c'est magnifique. C'est magnifique.
On revoit sa magnifique passe en profondeur de Leupold et Davos qui vient transformer cette frappe, ça fait 4-1. Oh là là là, mais il se passe quoi là? Il se passe quoi pour les Orléanais, surtout pour Annecy, qui sont dans une très mauvaise période d'un coup. Oh, ils sont tombés à l'eau. Oh là 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 là, c'est pas possible. Minute de temps additionnel. Attention, le tacle. Ouh, tacle assassin, il y a faute. Et oui, bah il y a faute. Hein. Carton peut-être, non. Il y a faute, le coup franc. Allez, le coup franc qui peut être dangereux et être capté. Ça va être capté par Vincent Viau qui garde le ballon, qui va la dégager. Et c'est fini. Et voilà la victoire de l'US Orléans à domicile. 4-1. Les gars, ce match était incroyable. On perdait 1-0 en première mi-temps. Et là, on vient marquer 4 buts. Un doublé de Stone Mambo, la nouvelle recrue magnifique. Et là, ça va être du coup... On va déjà être au dernier match du coup contre Quevilly-Rouen. Ok, la Saint-Etienne qui est toujours premier. Je crois que la Saint-Etienne, on joue au mois prochain. Donc ça va être un très gros match aussi le mois prochain. Oui, ok, c'est fin du mois octobre, on joue Saint-Etienne. Ouais, il va falloir faire attention. Il va falloir faire très attention, il faudra bien jouer. Mais ça, c'est pour la vidéo de samedi prochain. Donc c'est parti, le match contre Quevilly-Rouen, où on va jouer les temps forts. On va juste jouer les temps forts pour vous montrer. C'est parti. Allez. Mais je sais plus si dans la dernière vidéo, dans la vidéo de la semaine dernière, dans la vidéo de jeudi, on avait fait les temps forts ou pas. Je sais plus. Donc c'est parti. Ok les gars, donc là vous dites quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je devrais voir le match contre Quevilly-Rouen, sauf que les gars, je suis vraiment dégoûté parce que le match contre Quevilly-Rouen, il a bugué. Il a totalement bugué. Je suis vraiment désolé. Genre, on voit le début du match, tu vois, j'avais fait les matchs rapides. Là, on voit le début du match et à partir de la 74e minute, il y a un gros bug. Il y a vraiment un gros freeze de l'écran. On m'entend juste... à l'oral, mais sinon il n'y a plus l'écran. Du coup, je me suis dit, je vais pas le mettre, ça sert à rien que je mette le match. Je suis vraiment dégoûté, mais voilà. Donc, quand même, si les trois matchs, même si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, ça ferait extrêmement plaisir. Et moi, du coup, je vous dis à mercredi pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao l'équipe, bisous.